Alors, le 3030. Le 3030, c'est un album mythique. Il faut se rappeler qu'en 79-80, les Humanoïdes Associés avaient sorti comme ça trois albums carrés, recueil d'illustrations, un Mébius, un Druyer et un Casa. Et c'était un peu à la manière... Pourquoi le format 30 sur 30 ? C'était un peu à la manière d'un éditeur anglais qui s'appelait Tiger Paper, qui avait sorti comme ça les premiers livres d'illustrateurs. C'est pas de la BD, c'est de l'illustration, recueil d'illustrations. Et la formule, c'est un peu le genre coffret de 33 tours, quoi. Ce qu'on appelle maintenant un vinyle. À l'époque, on disait un 33 tours. Et donc l'idée, c'était de sortir des beaux livres, recueil d'illustrations, commentés, etc. Alors, quand on a fait le mien, j'ai vu l'album quand il est sorti et j'ai constaté qu'il y avait quand même un certain nombre de bêtises. Déjà, la fabrication, ça je vous le montre, mais c'était comme ça, mais dès le départ. C'est-à-dire que tu prenais l'album entre les mains, tu gardais la couverture dans les mains et tu avais l'album sur les genoux. Bon, ça peut servir à découper, à faire des posters, à orner sa chambre. Il y avait un certain nombre aussi de bêtises dans la maquette, disons, des erreurs de placement, etc. Enfin, je passe sur le détail. Et du coup, quand je l'ai fait, quand je me suis dit, on va le faire, on va le rééditer en PDF, on s'est dit, on va faire une réédition revue et corrigée. Donc, à peu près toutes les erreurs de maquette qu'il y a eu, ou toutes les fautes de goût, selon moi, hein, moi j'ai aussi été maquettiste, alors j'ai un peu des trucs à dire à ce niveau-là, quoi. Donc j'ai travaillé un peu à corriger tout ce qui me semblait débile ou mal fait. J'ai apporté quelques bonus aussi. Alors les bonus, bon, à l'époque il y avait un coffret qui allait avec l'album, édition de luxe, dans un coffret, avec un portfolio à l'intérieur, 6 ou 8 dessins en noir et blanc rajoutés. Et donc ça, je les ai mis en bonus avec l'album, dans le PDF. Et au total, ça doit nous faire un album de 150-160 pages, quelque chose comme ça, au format d'origine, 30 sur 30. Et donc ça sera le 30-30, puisque c'est le nom qu'on a gardé. Mais comme vous ne l'avez jamais vu, c'est l'édition revue et corrigée.